Hello, hello! Alors, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai commencé à parler il y a quelques semaines d'un gros truc qu'il fallait que je vous raconte, etc. Comme je le fais de manière très spontanée pas tellement réfléchie, bon, bah mes teasings sont pas ouf. <laughs> mais en tout cas, ça y est, euh, je me suis décidée à, à vous raconter un petit peu tout ce que j'essaye de mettre en place euh, ces derniers mois. Enfin, voire même carrément euh, depuis un an. Euh, donc, en fait, euh, voilà pour. Euh, je sais que je je parle beaucoup donc je vais essayer de le faire court et euh, droit au but. Je me mets à mon compte. Donc ça c'est voilà c'est ça ma grande euh, ma grande nouvelle. Euh, en fait à force d'écouter toutes, <laughs> toutes ces toutes les invitées euh, parler euh, bah, du fait qu'à un moment donné elles se sont lancées elles ont cru en leurs projets en leurs envies. Euh, bah nécessairement ça m'a donné envie moi aussi euh, de me dire euh, bah oui pourquoi pas moi pourquoi je pourquoi je le ferais pas, moi aussi, de me mettre à mon compte et puis euh, d'essayer de vivre, euh, d'inventer mon métier et de vivre un petit peu de cette passion pour euh, plein de choses. Euh, donc, euh, la partie podcast, euh, toujours euh, le marketing. Enfin, bon, bah, je vais vous raconter un petit peu après. Donc, euh, voilà, je me suis dit à l'ego. Euh, évidemment, je ne me suis pas dit à moi toute seule. Euh, J'en ai longuement parlé avec mon mari. Euh, parce que euh, bah, nécessairement euh, ça va impacter euh, notre vie à nous deux, et avec ma famille, avec mes filles, et ça va impacter mes revenus nécessairement. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'ai mûri de pendant très longtemps. Pour la petite histoire, en fait, ma société, euh, la société pour laquelle je travaille en tant que directrice marketing et communication, euh, depuis 5 ans, a été rachetée euh, une première fois en 2019 et là une deuxième fois en 2022. Et euh, bah ça a généré aussi euh, pas mal de de comment dire euh, de choses variées. C'est-à-dire que à la fois, euh, moi, j'arrivais aussi à un moment où je voulais euh, changer un peu de périmètre. Et donc c'était l'occasion, parce qu'on passait d'une entreprise de 50 personnes à une entreprise de 600 à l'intérieur d'un gros groupe. Euh, donc je me suis dit, bah peut-être que je peux... Euh, aller faire autre chose parce que ça faisait cinq ans que je faisais le, le même, la même activité finalement, j'avais le même périmètre, etc. Euh, donc euh, autant euh, j'aime beaucoup encore tous mes collègues, euh, autant le, le sujet commençait un petit peu à me, à me lasser, j'avais une certaine lassitude parce que euh, quand on fait du marketing et de la com, euh, je pense qu'il vaut mieux quand même essayer de se renouveler un petit peu et qu'à un moment donné on, on ne sait plus tellement comment mettre en avant. Euh, les produits, les services qu'on propose. Donc euh, voilà, donc je, pour moi, c'était important de changer de périmètre. Et puis, je voulais aussi me mettre à, à temps partiel. Donc au départ, euh, j'étais plutôt sur un 60%, donc ce qui fait de, un 3/5. Donc, travailler trois euh, jours de manière salariée et deux jours off. Parce qu'initialement, euh, il y a un an, quand j'ai commencé à en parler dans ma boîte, euh, je me disais, ben voilà, euh, euh, un jour le mercredi pour être avec mes filles. Et puis, euh, ce que j'ai jamais eu l'occasion de faire jusqu'à présent, hein, j'ai toujours travaillé. Alors si, j'ai quand même été à temps euh, à 80% euh, pendant euh, le, un congé parental de trois ans, euh, mais euh, le rythme n'était pas du tout le même parce que c'était à la naissance de ma deuxième fille. Donc, euh, la, la première avait trois ans, la deuxième donc venait de naître, donc euh, forcément, euh, puis Enfin, voilà, c'était pas du tout le même rythme qu'aujourd'hui. Et après trois ans, euh, toutes les deux ont toujours été au centre de loisirs, les mercredis et tout ça. Le Covid, euh, quand, quand le Covid a démarré, euh, euh, bah, évidemment, les filles sont restées à la maison le mercredi avec nous. Nous, on télétravaillait. On a toujours euh, beaucoup télétravaillé, euh, mon mari déjà avant le Covid et moi depuis euh, beaucoup. Donc, en fait, euh, les mercredis sont devenus ma pire journée, quoi. Et euh, je voulais plus vivre ça, je supportais plus euh, de me dire que en fait euh, le mercredi à, à la maison, enfin dans un appart de 80 mètres bah, carrés, c'était insupportable. Donc euh, du coup je voulais euh, voilà, je voulais ne plus travailler les mercredis et être et vraiment profiter des filles et pas euh, pas de mal le vivre parce que euh, à 11 heures il y en a une euh, qui me demande de lui faire réviser son, son interro d'anglais. Et, euh, et l'autre après à amener à tel truc, etc. Ou justement à ne pas pouvoir faire d'activité parce qu'on est bloqué, quoi. Donc voilà, donc c'était important pour moi. Euh, et puis euh, et puis ça me faisait une deuxième journée pour euh, bah, vaquer à mes occupations euh, autres euh, que mon emploi salarié, donc euh, le, la, la partie podcast principalement. Euh, sauf que euh, quand j'ai commencé à me dire ça, on est en mars 2022. Euh, j'avais que le, que le que le deuxième podcast, donc j'avais les deux podcasts, et puis euh, c'est tout entre guillemets, mais c'était déjà pas mal. Mais euh, plus c'est plus j'ai avancé dans l'année, plus je me suis dit qu'en fait euh, c'était trop parce que j'ai aussi accepté un projet euh, éditorial, donc je suis pas encore censée vous en parler, mais ça va pas tarder. Et, euh, et en fait, toute l'année, j'ai énormément travaillé. Et je pense que j'ai trop travaillé. Même si j'ai fait euh, au mieux euh, pour pas euh, que. Enfin, pour essayer de trouver un équilibre. Mais euh, vraiment, je travaillais tout le temps, en fait. Euh, et ce qui me pesait, c'était que c'était toujours sur l'ordinateur. Donc en fait, je passais ma journée de travail salariée sur l'ordinateur. Et le soir, euh, alors euh, j'étais peut-être plus à un bureau, à <laughs> une table, mais j'étais sur le canapé. Mais finalement, j'étais à nouveau sur l'ordinateur tout le temps, quoi. À répondre aux emails, à avoir toujours un podcast à monter, euh, etc. À essayer de faire vivre un petit peu tout ça. Et puis donc, euh, à, à écrire pour ce projet éditorial. Donc, euh, alors c'était génial. J'ai adoré, enfin euh, voilà, c'est faire des choses qu'on adore, qu'on aime on n'a pas la sensation de travailler, mais en même temps quand même euh, si, <laughs> ça devient du travail quand on a une obligation par rapport à ça. Euh, donc euh, j'en parlais dans l'épisode anniversaire, si vous avez écouté, qu'en fait quand j'ai un contrat euh, de sponsoring euh, ou euh, des épisodes, etc., bah nécessairement je le fais de manière hyper professionnelle, parce qu'il est hors de question que je sois en retard ou que sais-je. Donc, en fait, euh, c'est euh, la priorité, c'est ça. Et euh, donc, euh, bah, forcément, le, le podcast Femain a pu en pâtir aussi un petit peu, parce que c'est celui qui me demande le plus d'investissement. Euh, le podcast Cultura Créa, c'est très borné, euh, c'est cadré, et euh, finalement, je passe. Enfin, c'est même pas finalement, c'est sûr, c'est certain, c'était certain même depuis le départ. Je passe beaucoup de temps sur le podcast Femain, là où j'en passe beaucoup moins sur le podcast de Cultura, ne serait-ce que parce que j'ai pas la partie. Parce que j'ai pas la partie communication à assurer derrière. Même si évidemment je relais les épisodes, etc. Mais c'est pas du tout le même travail. Donc voilà, je voulais avoir un rythme un peu plus cool, mais en même temps je commençais à mettre, euh, enfin à toucher du doigt le fait que euh, finalement deux jours euh, off pour travailler, <laughs> c'est même pas c'est même pas deux jours off pour aller faire, j'en sais rien, m'occuper de mes filles, du sport, du temps pour moi, etc. De la création. Euh, bah, je voyais bien que ça allait pas suffire. Donc en fait, euh, petit à petit, j'ai cheminé un petit peu tout ça. J'ai aussi euh, eu des réponses un peu plus claires du côté de mon travail en disant que ça allait être très compliqué, voire impossible. Et puis euh, en fin d'année, j'ai quand même euh, insisté pour relancer tout ça parce que euh, je trouvais que les choses étaient très longues et c'était euh... enfin, voilà, il y avait un contexte aussi particulier qui faisait que j'avais envie que ça avance. Et donc j'ai pris la décision bah, de vraiment de demander euh, à partir euh, complètement quoi, pas, pas juste euh, à temps partiel, de travailler encore à temps partiel. Donc ça a été accepté, donc euh, c'était un gros soulagement, euh, avec toujours un petit peu pendant, pendant cette période la peur que ça n'aille pas au bout, mais donc euh, tout, tout s'est très bien passé. Donc euh, euh, je sais que c'est une chance. Euh, donc je pars dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Euh, J'ai jamais, euh, pour moi, ça n'a jamais été une évidence. Euh, de, de demander une rupture conventionnelle parce que euh, pendant très très longtemps j'ai considéré que bah, si t'étais pas contente de ton sort dans ton activité dans ton métier euh, bah tu démissionnais en fait et euh, et puis euh, finalement euh, le fait d'être dans cette dans ce cadre particulier euh, de rachat etc je me suis autorisée à aborder le sujet et puis ça a été possible mais euh, je me sens quand même chanceuse parce que euh, ça n'a pas été possible pour d'autres personnes. Euh, alors, le contexte n'était pas tout à fait le même, etc. Mais je me sens chanceuse de l'avoir obtenu. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir euh, avoir Pôle emploi euh, en soutien les mois où euh, je n'arriverai pas à dégager suffisamment de revenus de, de cette nouvelle activité. Euh, donc, pour l'instant, je suis dans la phase où euh, je connais la réalité euh, de ce que c'est d'être à son compte. Euh, vous allez le voir en plus quand je vous parlerai du projet éditorial dans quelques, dans quelques semaines. Mais, euh, en fait, je nourris l'espoir que ce soit différent pour moi. <laughs> je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me dis, oui, bon, bah, c'est juste qu'ils sont pas organisés » ou c'est juste que nanana. Et en fait, euh, je pense que je, ça sera exactement euh, pour moi comme pour tout le monde. Mais pour l'instant, je me dis, ouais, je suis sûre que j'arriverai à caler euh, un peu de sport dans la journée, euh, que j'arriverai à avoir un rythme plus cool. Euh, alors, je me dis ça aussi parce qu'en fait, comme je travaille aujourd'hui tout le temps, la journée pour mon emploi salarié et le soir pour mon activité euh, freelance, euh, bah, j'ai quand même bon espoir sur le fait que j'arrive à ne plus travailler tout le temps. Donc euh, ça, j'y crois quand même. Le sport, bah, euh, on verra, mais euh, bon, j'y crois aussi un petit peu parce que je me dis que le rythme sera différent et que euh, euh, aujourd'hui, en fait, on est dans, dans une situation où euh, on, on, mes, mes deux filles, euh, enfin nos deux filles vont à l'école euh, et en reviennent euh, de manière autonome euh, en prenant le train, etc., le tram. Euh, donc en fait, on n'a plus les allers-retours à gérer et donc euh, euh, ben, on a moins cette pression du, du, du rythme quotidien euh, qui, oui, qui vraiment rythme les journées, euh, qui donne le début et la fin. Donc euh, ça, c'est cool. Donc, euh, voilà, après, comme on ambitionne de déménager un jour, bah, ça ne va pas durer des années, mais en tout cas, pour l'instant, c'est parfait. Donc, comme je vous le disais, je me sens chanceuse. Et puis, euh, euh, après, l'espèce la, la, de contrepartie, entre guillemets, de, de mon départ, euh, c'est qu'il se fait de manière assez longue. Euh, C'est-à-dire que, donc là, tout est déjà bouclé, etc. Euh, on est euh, le, le 9 mars. Euh, je vais euh, continuer de travailler à temps plein jusqu'à fin mars, et puis euh, sur les mois d'avril, mai, juin, je vais être à 60% et j'arrête définitivement mon activité salariée au 30 juin. Voilà, donc ça va être progressif, euh, ce qui n'est pas plus mal parce qu'il euh, y a pas mal de chantiers euh, sur lesquels euh, bah, c'est intéressant quand même que je puisse euh, terminer proprement, euh, et donc ça va correspondre à, euh, à un, au moins un. Enfin, en partie, moins un de ces chantiers-là, euh, qui va pouvoir, euh, enfin que je vais pouvoir euh, vraiment, euh, pour lequel je vais pouvoir aller jusqu'au bout, euh, même si euh, les choses sont jamais terminées. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est, je trouve, c'est un bon compromis. C'est un petit peu long et en même temps, euh, voilà. Donc, ça veut dire que début janvier, quand on a mis ça en place, oui, je me disais bon bah, <laughs> c'est pas pour tout de suite. Mais finalement, voilà, est, je trouve que c'est un très bon compromis. Euh, et donc euh, peut-être que vous demandez ce que je vais faire <laughs> de tout ce, ce temps entre guillemets. Euh, alors évidemment il euh, y a mes activités euh, podcast euh, qui sont euh, euh, quand même au cœur du sujet parce que c'est quand même le, le, les podcasts qui aujourd'hui à, à très court terme vont me faire vivre. Euh, donc euh, alors il y a évidemment le podcast fémin que vous écoutez, il euh, y a le podcast culture à créer que j'espère que vous écoutez aussi. Et puis j'aimerais bien lancer un troisième podcast, un podcast pour une troisième marque, enfin une troisième, un podcast pour une marque. Euh, donc euh, voilà, je, je réfléchis beaucoup à ça euh, pour euh, réfléchir à qui je pourrais proposer, à qui et pour qui ça fait sens. Soit sur des portraits de créateurs, soit sur des conversations. Euh. Enfin voilà, il y a pas mal de, 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 de marques pour lesquelles ça pourrait euh, convenir, enfin que ça pourrait être un bon levier de communication, un peu différent. Euh, le, le, le format podcast est, a vraiment le, le vent en poupe, euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est chouette euh, de se dire qu'il y a encore des supports de communication un peu novateurs euh, sur lesquels il n'y a pas encore tout le monde, euh, mais il est possible quand même qu'on se dirige à un moment donné vers euh, bah, toutes les marques auront leur propre podcast parce que ça, ça me fait penser un petit peu à l'avènement d'Instagram. Ou euh, Facebook à l'époque, encore plus loin, euh, on se disait euh, oui, il euh, y avait quand même une période où on hésitait à aller sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se pose même plus la question. C'est obligatoire, il faut être sur les réseaux sociaux. Donc euh, peut-être que les podcasts, ça va arriver pareil, euh, et que du coup c'est le bon moment de se lancer parce que évidemment il y a énormément de podcasts, mais euh, toutes les marques n'ont pas leurs podcast euh, loin de là. Euh, ça reste aujourd'hui marginal. Et euh, donc, euh, le podcast Culture Accra, évidemment, je suis rémunérée pour le faire. Euh, mon podcast Fait main, bah là, non, je suis pas rémunérée pour le faire. Euh, bah, J'ai de temps à autre euh, des sponsors. Euh, je pense à Domestica, par exemple, qui avait soutenu le podcast sur 10 épisodes. Donc ça, c'était super chouette. Euh, ça a permis d'avoir un, un, un revenu aussi... Euh, euh, connu d'avance, etc. Donc c'est assez euh, confortable. Donc euh, voilà, je pense que je vais être euh, plus... Enfin, euh, il va falloir vraiment que je prospecte davantage sur cette partie-là euh, parce il euh, bah, y a aussi Tipeee euh, qui existe, donc euh, plateforme de financement participatif, où là l'idée c'est plutôt que ce soit les auditeurs qui financent un petit peu, donc chacun une petite contribution mais qui fait qu'à force, ça devient euh, un revenu. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, évidemment pas le cas. Aujourd'hui, les très bons mois, mais qui arrivent euh, une fois dans l'année, <laughs> par exemple là sur le mois de janvier, euh, je pense que c'est le fait d'en avoir pas mal parlé dans le dans l'épisode anniversaire. Mais euh, sur le mois de janvier, euh, je dois avoir touché 200 euros, alors que sur les mois euh, normaux entre guillemets, euh, c'est plutôt de l'ordre de 50 à 70 euros. Donc euh, ça peut paraître beaucoup, 200 euros, enfin vraiment 200 euros, je me dis waouh, c'est génial quoi, si je pouvais avoir 200 euros tous les mois de contribution sur Tipeee, ça serait déjà excellent. Mais voilà, c'est loin d'être le cas depuis le début, vu que j'en suis à vous raconter tout ça en transparence. Depuis le début, donc août 2020, la mise en place de Tipeee, depuis le début, je dois être un petit peu moins de 2000 euros. Donc c'est pareil, on peut se dire bah, 2000 euros c'est chouette, euh, non, <laughs> enfin oui non évidemment, hein, c'est toujours pareil, mais 2000 euros quand on, euh, donc on considère que donc ça fait deux ans et demi, euh, que c'est 2000 euros sur lesquels il y a une commission de Tipeee, sur lesquels je paye 22% d'Ursaf, bah, vous voyez bien que ça fait pas grand chose après euh, si je ramène ça autant que j'y passe. Alors évidemment je peux pas complètement ramener ça autant que je passe, parce que euh, bah, je considère aussi euh, que le podcast, pour moi, c'est un investissement. Euh, et puis c'est surtout ça a été, c'est né, né d'une passion. Donc euh, c'est vrai qu'il bon, il y a plein de projets qui sont nés d'une passion qui aujourd'hui sont des business. Hein, donc euh, j'ai pas, je me dis pas que ça doit rester euh, quelque chose de complètement philanthropique et bénévole. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, je. je ça serait super chouette euh, d'avoir votre soutien et euh, forcément maintenant j'en ai encore plus besoin parce que je n'aurai plus de salaire. <laughs> Donc euh, voilà, je, si vous si ce, ce côté euh, financement par les auditeurs vous plaît, que vous croyez à un modèle aussi où on peut euh, bah, ne pas chercher toujours à avoir de la publicité pour financer euh, la création de contenu, et eh ben vraiment c'est le moment ou jamais parce que j'ai vraiment besoin de vous. Alors évidemment, un revenu récurrent. Euh, c'est le Graal, c'est-à-dire que euh, bah, tous les mois, je sais que je vais avoir euh, X euros euh, apportés par Tipeee, ça, ça sera vraiment génial. La réalité, c'est que je sais que c'est très contraignant euh, de, de s'engager tous les mois. Euh, après, ça peut être euh, un euro par mois. Euh, vraiment, c'est pas l'idée, c'est pas d'avoir 20 euros par mois par tous les auditeurs. C'est, euh, je trouverais ça trop de toute façon euh, dans un budget. Euh, et encore plus aujourd'hui, avec toutes les difficultés que tout le monde a. Donc, euh, mais voilà, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Il euh, y a des personnes qui le font aujourd'hui euh, et certaines depuis très longtemps. Et là, pareil, je me dis, mais c'est trop, <laughs> ça fait depuis trop longtemps que tu donnes. Euh, et typiquement, c'est ce que... Du coup, j'ai voulu remercier des per... ces personnes-là. Donc, il y avait vraiment, c'était une poignée, mais c'était hyper important pour moi. Et donc, euh, à Noël, enfin plutôt en janvier, <laughs> parce que j'ai un peu décalé mais je leur ai envoyé le petit colis surprise euh, qui est la contrepartie pour 30 euros euh, où là euh, du coup je leur ai envoyé euh, voilà une contrepartie un peu plus importante et sans que ce soit au départ euh, prévu comme ça parce que dans le dans la contrepartie enfin il y a il y a rien vraiment concernant la contrepartie euh, récurrente mais donc voilà donc je tenais à le faire parce que c'était euh, je, je trouve c'est un engagement fort de la part des auditrices qui le font et que euh, voilà j'avais envie de bah, de les remercier donc voilà, donc évidemment, euh, comme je le disais pour synthétiser, euh, les, les projets podcasts sont euh, au cœur de cette nouvelle activité. Il euh, y a euh, donc le projet éditorial dont je vous parlais, donc je ne peux pas vraiment vous dire encore ce que c'est, mais en même temps, quand je dis projet éditorial, normalement vous devez un peu imaginer, mais vous ne savez pas encore à quel sujet. <laughs> donc euh, ça, bah, ça s'est super bien passé. J'adorerais euh, avoir un deuxième projet de ce type euh, cette année. Alors euh, bon bah c'est pas spécialement rémunérateur mais en fait c'est quand même hyper sympa à faire. Enfin moi j'adore donc euh, donc voilà. Euh, ensuite euh, ensuite il y a l'enseignement. Euh, j'aimerais beaucoup reprendre l'enseignement. Euh, pendant cinq ans j'ai enseigné le marketing euh, et surtout le marketing digital euh, dans dans des écoles à Grenoble euh, à l'IUT à l'IAE de Grenoble et euh, j'aimerais beaucoup reprendre ça. Donc il faut que je réactive un petit peu des contacts et surtout euh, j'aimerais monter quelque chose autour du podcasting du coup euh, pour pas uniquement avoir la partie digital marketing qui maintenant est quand même très largement euh, enseignée euh, mais par contre la partie podcast je suis à peu près sûre que dans les écoles de com et de marketing on n'en parle pas spécialement donc euh, donc voilà je vais essayer de, de creuser un petit peu cette partie là. Euh, après voilà, je sais comment ça fonctionne, je sais que c'est euh, c'est pareil, c'est pas extrêmement rémunérateur, mais c'est pareil, ça a fait sens pour moi, donc euh, donc euh, donc j'ai envie de le faire. Et puis euh, la dernière partie de mon activité, mais qui sera sans doute la plus importante en termes de, de chiffre d'affaires, euh, c'est euh, de d'avoir des d'avoir des missions en marketing et en communication. Alors euh, si possible pour des marques créatives, mais je sais que ça sera pas forcément que le cas. Euh, donc, euh, peut-être que vous avez vu passer sur Instagram, euh, le, et puis si vous suivez aussi le, le compte directement d'Hélène de, des griffographes, euh, que j'ai eu dans l'épisode 81. Euh, en fait, je sais pas si vous vous souvenez dans cet épisode, euh, si vous l'avez écouté. Euh, vers la fin, je dis ah mais euh, c'est trop bien, euh, mais je, je rêverais de travailler dans une boîte comme la tienne, etc. Et c'était vraiment hyper sincère. <laughs> J'avais vraiment très envie de travailler avec Hélène. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui c'est le cas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé, euh, je sais plus, on était au mois d'octobre, je crois, euh, je lui ai envoyé un vocal de 30 minutes euh, avec mon CV, quoi. Je lui ai raconté mon CV. Euh, mes expériences, ce que je pouvais lui apporter, euh, parce que donc euh, elle cherchait, euh, elle cherchait deux choses. Hélène à l'époque de l'enregistrement qui qu'on a fait au mois d'août, elle cherchait à sous-traiter euh, les expéditions. Euh, donc ça, bon, moi je pouvais pas faire grand chose. Et puis elle souhaitait, elle souhaitait aussi euh, développer commercialement euh, son entreprise griffographe. Donc et ça par contre, je savais que euh, j'avais euh, largement les compétences et enfin que j'étais J'étais la bonne personne, <laughs> donc euh, voilà. Donc je lui ai envoyé un, un, un épisode de podcast rien que pour elle. <laughs> et, euh, et voilà. Et après on s'est rencontrés parce que pour la petite histoire, elle habite à 20 minutes de chez mes parents. Donc euh, du coup, quand je vais chez mes parents, enfin au, en, à La Toussaint quand je suis allée chez mes parents euh, en Bourgogne, euh, du coup je suis allée la voir. Voilà. On s'est vus euh, et ça a confirmé qu'on avait envie de travailler ensemble. Au départ, sans trop s'engager. Euh, voilà de manière très libre donc, euh, donc en novembre j'ai commencé à travailler un petit peu pour hélène euh, mais c'était euh, c'est vraiment que quelques heures quoi sur euh, je sais pas ce que ça représentait entre novembre et, et février mais euh, c'était peut-être je sais pas 50 heures donc c'est pas euh, grand chose c'était vraiment plutôt pour euh, démarrer en fait les les, les choses ensemble, voir si ça matchait euh, dans nos caractères, etc. Et puis si forcément elle voyait la valeur que j'avais à lui apporter. Donc, euh, donc voilà, donc là c'était plutôt de manière assez euh, ponctuelle, mais euh, là on va continuer de manière un peu plus euh, euh, importante, euh, donc euh, voilà, à partir du mois d'avril, et puis ensuite évidemment je vais pouvoir travailler euh, davantage avec Hélène, donc euh, voilà. Donc pour ma partie mon, de cette activité marketing et communication, euh, je vais essayer d'avoir des missions récurrentes comme donc avec Hélène de Griffographe, et puis des missions ponctuelles euh, sans engagement. Et donc euh, là il y a deux choses que j'aimerais bien faire euh, qui sont un petit peu dans la lignée euh, de ce que d'autres personnes vous proposent sur l'entrepreneuriat créatif. Euh, et parce que je trouve qu'elles le font bien, donc j'ai pas envie de faire la même chose. Euh, je pense, euh, je vais vous le dire clairement, hein, Marion Guitier euh, Et puis il euh, y a le, le club des Pivavard aussi avec euh, Mélanie. Il euh, y a aussi euh, Kylian euh, avec le cercle des créateurs. Moi, je connais pas leur, enfin, euh, je connais leur, euh, leur offre finalement et leur contenu sans les connaître. Je ne vois que ce qu'ils proposent sur Insta. Mais je trouve que c'est pertinent ce qu'ils font. Et donc, euh, bah, j'ai pas envie de faire la même chose. Euh... Mais je me dis quand même que je peux apporter autre chose parce que euh, en réalité, quand c'est comme ça, euh, il me semble que on, enfin, comment dire, la personnalité euh, est ce qu'a, enfin que chacun peut apporter quelque chose de différent. Euh, et donc, euh, du coup, euh, voilà, je me dis qu'il y a, euh, il y a la place aussi pour euh, pour moi, <laughs> pour euh, continuer euh, à travailler sur ce sujet-là qui me passionne. Euh, et qui est, euh, de toute façon, en plus, euh, c'est quand même très lié au marketing et à la com, donc c'est mon métier depuis euh, 20 ans. <laughs> J'ai 42 ans, donc euh, oui, ça fait vrai ça. Et, euh, et donc voilà, tous ces sujets que je connais sur le bout des doigts, euh, que euh, je touche aussi moi-même du doigt en tant que créatrice. Euh, voilà, peut-être que d'ailleurs, j'aurai peut-être un petit peu de temps pour aussi euh, lancer, mon... enfin relancer cette activité euh, de créatrice. Mais en tout cas, euh, voilà, sur cette partie-là, j'aimerais faire deux choses. Euh, la première, euh, c'est vous proposer euh, en fait des rendez-vous en individuel euh, pour parler du marketing et de la com et de manière un peu plus large de votre entreprise créative. Donc ça, je le vois aujourd'hui de manière très euh, euh, libre et, euh, et simple, c'est-à-dire que euh, je mets à, à disposition un calendrier avec des créneaux. Euh, et vous vous inscrivez un petit peu comme chez le médecin où à un moment donné bah, ça vous fait mal quelque part. <laughs> Mais là c'est un peu dans cette idée, ça vous fait mal. Euh, Il y a un truc euh, où, sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. Euh, sur, sur, voilà, peu importe l'aspect de l'entreprise et vous vous dites euh, ah bah tiens là j'ai besoin d'aide euh, etc. Et je voudrais ce format là euh, qu'il soit euh, complètement euh, sans engagement, qu ait, que vous ayez pas besoin de casser la tirelire pour quand même avoir un premier regard extérieur euh, confronter euh, vos idées avec euh, quelqu'un d'autre etc' parce que je sais euh, forcément que quand on est euh, à son compte euh, on est seul même s'il peut y avoir plein de monde autour de nous mais ce c'est pas forcément des personnes avec lesquelles on peut échanger sur son activité professionnelle et donc là ça serait un peu un tiers de confiance que vous pourriez avoir euh, pour euh, voilà euh, bah, parler euh, comme je disais de marketing de com, euh, euh, que je vous donne aussi euh, mon avis sur euh, peut-être votre site internet, votre offre, euh, des choses comme ça, euh, parce que euh, avec le, le recul et l'expérience que j'ai, sans toute euh, voilà sans fausse modestie, mais euh, euh, quand je vais voir un petit peu les sites internet de certaines créatrices, je me dis il ouais, y a plein de choses qui vont pas, mais euh, je ne vais pas leur écrire pour leur dire, ah oui, mais là, c'est pas bien ce que tu as fait, et là, 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 là". C'est parce que, euh, voilà, un conseil non sollicité, euh, c'est pas très agréable. Donc, euh, mais j'ai plein, plein d'idées, plein de, plein de choses à partager. Il est d'ailleurs possible que je fasse ça peut-être un petit peu, euh, ce mode-là, euh, dans des épisodes. Voilà, on verra. Euh, mais euh, en tout cas, euh, voilà, ça, c'est quelque chose. Euh, euh, que je trouve super euh, super cool. C'est une idée que j'ai depuis euh, des années, mais euh, que j'avais jamais vraiment euh, formalisée parce qu'il faut être à son compte pour pouvoir faire ça, etc. Donc euh, voilà, je le vois un peu comme euh, comme sur Doctolib, tu prends un rendez-vous euh, pour euh, demain ou dans deux semaines pour euh, parler un petit peu des difficultés et euh, repartir avec des solutions concrètes. Hein, évidemment, c'est pas juste un diagnostic, mais c'est vraiment euh, se dire bon bah voilà, là je peux améliorer de telle et telle manière. Mes priorités, ça doit être ça, etc. Et encore une fois, sans engagement, quoi, que ça vous coûte pas un bras euh, euh, de pouvoir euh, euh, faire ce genre d'action. Euh, donc ça, c'est la première, euh, la première chose. Et puis après, euh, euh, bah, vous verrez dans l'épisode que je suis en train de monter euh, avec Charlotte de Jolie Graine, qui fait des aquarelles artisanales, on, on en parle à un moment donné, et, euh, parce qu'elle, la solitude, la pesé beaucoup. Et, euh, et on s'est dit euh, en fait euh, un petit rendez-vous euh, informel euh, un peu style machine à café euh, virtuel où euh, bah, euh, les personnes qui ont envie de se, se connecter elles se connectent et puis on papote un petit peu on parle de difficultés etc euh, bah, ça peut être un rendez-vous super sympa euh, donc euh, voilà à voir un peu comment ça peut euh, euh, être mis en place euh, avec quel modèle économique aussi derrière parce que, pareil, je pense que euh, un abonnement, c'est le genre de chose qui peut être sympa, mais il faut que ce soit sans engagement de durée. Et puis, euh, et puis, euh, c'est quelque chose qui peut fonctionner si euh, le prix n'est pas pas très élevé. Euh, mais par contre, le, la contrepartie, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu du volume, entre guillemets. Voilà. Donc, il faut que je réfléchisse un petit peu plus à tout ça. Et euh, voilà. Bah avec tout ça, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je, cette activité de création de cartes qui me qui me plaisait bien aussi, je me rends compte qu'elle est difficilement euh, viable économiquement. Euh, dans le sens où moi, ce que j'aime faire, c'est des cartes un peu à l'unité, euh, des cartes avec des modèles uniques. Pas forcément, j'ai pas envie de faire 15 cartes du même modèle. Alors en plus, nécessairement, j'ai pas forcément les papiers, etc. Le même papier pour faire 15 cartes. Donc euh, ça veut dire à chaque fois de mettre un. De, pour les vendre en ligne, ça veut dire de, le, de, mettre une, de créer une fiche si produit à chaque fois, etc. Pour une carte que je vais vendre entre. Allez, même si je fais ça euh, un peu plus cher que ce que j'aurais aimé, euh, une carte à 7-8 euros, parce qu'une carte à 4-5, en fait, euh, ben voilà, économiquement, c'est pas possible. Euh, donc, euh, voilà, c'est tout ça euh, qui est un petit peu en cours de réflexion. Euh, mon idée, c'est peut-être aussi de me dire, ben, en fait, euh, il faut pas que je les vende en ligne à l'unité, mais il faut qu'elles soient vendues dans des dans des concept stores, des choses comme ça, euh, pour des clientèles peut-être, euh, enfin plus haut de gamme, qui vont considérer qu'une carte unique, euh, une carte faite main euh, euh, et donc unique euh, à 10 euros, et eh ben c'est pas cher, enfin c'est pas cher, ça passe, <laughs> c'est correct, etc. et que ça, ça les vaut. Donc euh, voilà, donc c'est pareil, il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Mais il est probable que je garde cette activité euh, euh, un petit peu en mode loisir, mais quand même que je puisse euh, conserver de les vendre parce qu'aujourd'hui, euh, donc je fais ça sous la marque Popline et Papier euh, depuis quelque temps. Euh, alors quand je dis je fais ça, c'est pas vraiment, je fais pas ça de manière très importante. Il euh, y avait Nadège aussi, vous avez entendu dans l'épisode anniversaire, euh, qui faisait ça euh, avec moi. Elle sur un parti couture et moi sur un partie papier. Euh, donc euh, tout est en place la boutique e-commerce etc. donc aussi je me dis bah, c'est un peu dommage finalement euh, euh, que ça tourne pas donc euh, voilà donc à voir comment je j'arrive aussi à, à, à mêler cette activité créative à l'intérieur de mon activité et donc avec tout ça bah, vous voyez que aujourd'hui euh, j'essaye aussi de, de réfléchir à, à de structurer tout ça euh, j'ai pas de nom <laughs> j'ai pas trouvé le nom qui me permettrait de réunir toutes ces activités là alors je pense que pour le podcast, de toute façon, euh, l'activité podcast, je vais garder ça sous le nom euh, euh, d'un du, 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 studio euh, fait main ou quelque chose comme ça. Euh, mais après, c'est pour cette activité marketing. J'aimerais bien ne pas l'appeler, enfin voilà, la dénommer euh, d'une manière qui soit pas, que tout repose pas sur mon nom de famille. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'idée lumineuse. J'ai pas mal réfléchi. J'avais des choses autour de, de craft, autour de vibrations, parce que... J'aimais bien le côté vibration pour le côté audio et puis ce qui nous fait vibrer c'est quand même vachement sympa. Enfin voilà j'aimais bien ça et puis vibration c'était aussi le nom de ma, la première radio que j'écoutais en Bourgogne et d'ailleurs qui existe encore. Euh, voilà mais par exemple vibration créative c'est déjà pris. Enfin voilà il y a plein de choses où je me dis bon en fait c'est pas j'ai pas encore trouvé le bon nom. Donc euh, donc voilà si jamais vous avez une élimination meilleure n'hésitez pas <rire> vraiment <rire> je prends. Et, euh, et voilà, je réfléchis aussi à comment je peux euh, trouver du lien entre toutes ces activités-là, un petit peu mon, mon why. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce, de ce truc-là, de, de, de trouver mon pourquoi. Et donc mon pourquoi euh, à moi, ben en fait, euh, je, je, je pense que j'ai mis le doigt dessus, euh, c'est de d'arriver de, à euh, faire prendre conscience qu'on peut euh, se choisir euh, notre activité professionnelle. Euh, et qu'on peut réussir à vivre de ce de, de cette passion pour le fait main. Euh, voilà, c'est j'espère euh, que j'arriverai à contribuer. à ce que euh, un grand nombre d'entre vous euh, puissent, si vous en avez envie, et si c'est si c'est quelque chose qui résonne en vous, euh, voilà, vous donner euh, le maximum de clés pour que vous puissiez vous aussi euh, vivre de cette passion pour le pour le fait main. Donc je vous cache pas que forcément des fois je me dis bon est-ce que je vais y arriver et tout ça mais en réalité je suis sûre que je vais y arriver euh, j'ai voilà il y a un côté de moi qui a un peu peur donc euh, voilà et je suis pas toute seule dans cette aventure mon mari me soutient euh, il me challenge aussi pour justement euh, bah, être sûr que, que 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 je vais y arriver et euh, mettre toutes les chances de mon côté euh, mais voilà c'est quand même un choix qu'on a fait euh, à deux et euh, voilà, donc j'ai un petit peu peur, forcément, mais euh, c'est de la bonne peur, c'est plutôt celle qui euh, qui fait avancer. Euh, et euh, voilà, rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois, <laughs> pour voir si c'était les bons choix. Mais pff, non, je suis convaincue que c'est ma place en fait. C'est pour ça que j'avais choisi aussi ce mot euh, en début d'année. Euh, c'était que que je voulais euh, trouver ma place. Voilà, pour autant, je me sentais pas pas à ma place dans mon activité de salarié, mais euh, je ressens le besoin euh, depuis, euh, on va dire, euh, un peu plus d'un an, de vraiment euh, arriver à développer ça, et que ces derniers temps, je me suis beaucoup dit à moi-même, ah mais j'ai pas le temps, ah mais si je pouvais faire ça, je ferais ça, mais j'ai pas le temps, etc. C'est un peu ce qui est ressorti aussi de l'épisode d'anniversaire, où en fait, il y a plein de choses où je, je me disais, mais oui, mais ça, mais oui, ok, mais non, mais j'ai pas le temps. Donc euh, j'ai fait des choix, ça a forcément ralenti euh, la croissance du podcast. Euh, ça a ralenti ma communication sur Instagram parce que je me dis oui mais bon pff, non mais la flemme là j'ai besoin de me reposer et pas de toujours être à fond etc. Euh, j'ai été à fond euh, on va dire pendant euh, allez la première année première année et demie alors évidemment avec des, des phases de haut et bas etc. Mais euh, c'est vraiment euh, vos retours qui m'ont qui m'ont boosté. Donc, continuez de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, un petit peu comme dans la, la chanson de, de Louis Chédid, euh, parce qu'en fait, c'est ça qui fait avancer les gens, quoi. Euh, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère pro, euh, là, de savoir qu'en fait euh, tout ça, ça fait sens pour vous, euh, c'est utile, euh, bah, c'est juste génial, quoi. C'est indispensable. Donc, euh, donc voilà, merci euh, pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, euh, que ce soit sur Tipeee ou via des, des, des messages. Donc j'espère aussi je, je repense à Tipeee du coup j'espère que vous serez au rendez-vous et que voilà vous vous m'apporterez votre soutien euh, ponctuel ou régulier euh, parce que euh, voilà euh, par exemple là en ce moment il y a dix à peu près euh, 10 000 auditeurs euh, euh, glissant sur trois mois bah, c'est certain que si euh, ça, je, enfin c'est très c'est c'est basique c'est très très basique ce que je vais dire euh, mais c'est un petit peu euh, comme, euh, par exemple, sur Wikipédia, quand il y a des campagnes de financement. C'est si tout le monde donnait un euro, euh, même juste une fois, <laughs> bah, ça serait juste génial. Et évidemment, ça n'arrivera jamais, mais vous voyez un peu l'idée, quoi, de dire que c'est la force du nombre aussi euh, qui fait que, bah, ça peut, euh, ça peut faire un truc sympa. Merci de m'avoir écouté jusque là. Euh, j'ai encore évidemment pas réussi à faire court parce que j'ai plein de choses à dire. Euh, je suis ravie euh, d'avoir cette opportunité. Euh, ça a été beaucoup de travail, vous le savez, hein, c'est un peu le point commun avec aussi toutes les invités. Euh, tout ça, ça n'arrive pas euh, par hasard. Euh, croyez pas que c'est facile, surtout, mais euh, en fait, euh, bah, la passion nous donne des ailes. Je pense que vous serez d'accord avec moi, vous voyez pas le temps passer quand vous créez de vos mains. Et bah, moi, c'est pareil, euh, j'ai voilà, investi euh, énormément de temps. Donc je suis aujourd'hui très contente de savoir que je vais pouvoir avoir le temps de développer tout ça. Et euh, voilà, la partie n'est pas complètement gagnée. Hein, euh, aujourd'hui, euh, je, je suis loin d'avoir euh, un chiffre d'affaires qui me permet euh, de, de, de faire ce shift. Euh, mais euh, voilà, je prends le pari que, que ça fonctionne à long terme. Et puis euh, bah, je me dis aussi que bah, si ça fonctionne pas, euh, je pourrais tout à fait re redevenir salarié. Euh, c'est pas un souci, euh, j'ai des compétences, je suis fière. Enfin, euh, je, je ne doute pas euh, de mes capacités. Euh, voilà, encore une fois, c est, c est, ça fait pas très humble de dire ça, mais en tout cas, c'est la réalité. Je suis, je trouve que je voilà que j'ai des compétences et que j'essaie je, je de les mettre en avant. Donc, euh, je me dis que bah voilà, au pire, euh, je bien salarié. Voilà, mais évidemment, c'est pas le c'est pas l'objectif euh, parce que ça me titille beaucoup là d'être à mon compte et de pouvoir avoir le rythme que je veux. Voilà. Et après, euh, l'avenir nous le dira si c'était un bon choix. <laughs> Donc merci encore d'avoir écouté jusque là et puis euh, prenez soin de vous et à bientôt.